เฮ้ยก็นี่ไงเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเลือดมาบูชาC'est assez flippant, on est bien d'accord. Tout d'abord, la famille, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2020 à l'avance. Aujourd'hui, on va découvrir des vidéos assez flippantes qui étaient enregistrées en live. Beaucoup d'entre vous vont me dire, attends, Jericho, c'est du Photoshop, c'est un montage, ainsi de suite. On peut le faire, même moi, je peux faire un montage sur une vidéo enregistrée. Mais quelque chose qui s'est passé en live, c'est assez dur quand même. Soit les gens, ils jouent de la comédie. Ou vraiment, il y a quelque chose qui était préparé à l'avance. Mais dans des programmes télévisés, surtout quand il s'agit d'une interview ou autre chose, c'est carrément dur. On est bien d'accord. La famille, vous allez jouer un grand rôle dans ce passe commentaire pour me dire vraiment ce que vous en pensez de ces séquences. Et faites surtout attention car il y aura une vidéo où il y aura une explication justement derrière. J'ai cherché un tout petit peu et j'ai trouvé la solution. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum, la famille, comme d'habitude, et de mettre un gros pouce bleu si je le mérite. Et si la vidéo le mérite, sur ce, bon visage à tous et à toutes. Pour la première vidéo, la famille, ça nous vient tout droit d'une chaîne thaïlandaise. Ça a été filmé le 6 juillet 2016. Cette chaîne est spécialisée dans l'interview et le reportage sur les stars du pays. Et cette fois-ci, ils ont interviewé une star des films thaïlandaises. Tout est allé bien au début de l'interview jusqu'à un moment donné. Elle a commencé à communiquer avec un langage assez bizarre et ses yeux ont commencé à changer. Enfin bref, son apparence a changé. Peut-être d'entre vous, ils vont me dire peut-être qu'elle est hantée, peut-être qu'il y a des djinns qui l'ont attaqué, il y en a qui vont me dire Starfula. Bref, la famille, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et surtout, il faut savoir aussi, avec une traduction de la langue, de la langue thaïlandaise, elle lui a demandé le son du cochon. Oui, vous l'avez bien entendu, le son du cochon. À un moment donné, le présentateur du programme lui a montré la croix et comme si elle a eu peur. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Lors d'une interview d'un sportif norvégien, il y avait quelque chose d'anormal qui s'est passé à l'aéroport. Regardez attentivement et vous allez remarquer quelque chose d'inhabituel. Vous l'avez tous deviné, la famille, je pense, c'est la disparition de cette femme. Est-ce que vraiment c'est logique? Et surtout quand il s'agit d'un live et d'une interview en même temps. Avez-vous d'explications? Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Il n'y a rien d'anormal, la famille. Elle est juste passée derrière la dame qui pousse son chariot. Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, regardez cette séquence des vidéos justement où ça nous montre ses chaussures, ses déplacements, ainsi que même son ombre quand elle est partie justement derrière la dame. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste que sa taille était la même taille de la dame qui poussait le chariot. Elle est juste partie derrière elle et la caméra justement ne l'a pas filmée en train de marcher derrière la dame. C'est tout simple que ça en fait. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, excusez-moi, il n'y a rien d'anormal. Mais quand vous le regardez pour la première fois, ça vous paraît assez flippant, on est bien d'accord. Personnellement, la famille, j'ai vu des tas d'essors de magie, mais là, il y a quelque chose d'inhabituel que, franchement, j'ai aucune explication. Ça vaut de me dire justement ce que vous en pensez dans ce passe-commentaire. Il s'agit tout simplement d'un mec qui a réussi à commander son cœur. Il a réussi même faire arrêter son cœur pendant plus de 30 secondes et c'était filmé en direct, en live. Oui. Et après 30 secondes, son cœur a redémarré. Voilà, j'ai qu'une explication. Regardez quand même et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Non mais franchement, c'est assez bizarre, on est bien d'accord. Bon, commander son cœur, c'est-à-dire il peut faire arrêter son cœur quand tu le veux. Ça, c'est vraiment la chose la plus mystérieuse que j'ai jamais vue en direct sur la télé, surtout. Et vous l'avez bien remarqué, ils ont mis les patchs, voilà, pour contrôler justement son rythme cardiaque, tout va bien, mais là, à un moment donné, paf, plus rien. T'imagines? Je sais pas, c'est à vous de me dire vraiment ce que vous en pensez de ce mec, il est incroyable, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça, je vous le garantis, c'est la première fois que je vois quelque chose pareil. Car là, c'est waouh, c'est what the fuck, sérieusement, quoi, tu vois. Par contre, pour la deuxième vidéo de la femme mystérieuse qui disparaît, voilà, tu vois, la plupart des gens, parce que ça a été, oula, ça a été vraiment partagé cette vidéo, genre, ouais, regardez. Bref, vous l'avez bien vu dans la vidéo, elle s'est déplacée juste derrière la dame qui poussait son chariot. Par contre, si on revient sur la toute première, excusez-moi, sur la toute première vidéo, je le sens mal cette histoire, vous voyez. J'ai comme l'impression que c'était de la comédie. Mais est-ce que si c'était de la comédie, si ça aurait été vrai, c'est-à-dire la dame, enfin la star, elle va perdre, on va dire, comment dire ça, sa célébrité, parce qu'elle a fait une comédie en live, elle va perdre des fans, elle va perdre des personnes qu'elle aime, ainsi de suite. Et la chaîne aussi qu'elle a présentée, elle va perdre du potentiel. Voilà, j'ai accroché la première fois, mais après j'ai l'impression comme si vraiment c'était faux, c'était fake. Putain, arrête. Il faut que j'arrête de toucher mon micro en fait. Tu vois? C'est à vous de me dire vraiment ce que vous en pensez de cette vidéo, de la première. La deuxième, voilà, il y a une explication. Par contre, pour la troisième, où le mec qui contrôle son rythme cardiaque, ouais, c'est quand même assez flippant, hein. T'imagines que le mec est. Ça y est, il part quoi, tu vois. Donc le mec, il fait arrêter son cœur. À un moment donné, il va mourir. C'est un truc de fou. Et déjà, juste à côté, il y avait vraiment une équipe médicale qui était prêt en cas où. C'est un truc choquant, autre chose. Là, ils vont le réanimer. Enfin, ils vont essayer de les réanimer. Personnellement, j'ai aucune explication là-dessus. Voilà, la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à me récompenser avec un bon petit j'aime et un bon petit partage. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.